Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Pokémon TCG Pocket. Nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer un nouveau deck. Dans le deck on a Belle de Neige qui en gros est un petit Pokémon sympathique parce que bah, en fait il va endormir vos adversaires à tous les tours. Et du coup le dodo c'est très fort parce que bah, ensuite il va falloir vous réveiller du dodo. Et on a Dracolos qui tape, qui fait pas mal de dégâts parce qu'en gros Dracolos si vous connaissez pas, bah, vous faites... une attaque qui va taper 4 fois aléatoirement sur les Pokémon adverses et qui à chaque fois qu'elle va taper fait 50 de dégâts, donc 200 en tout. C'est très très fort. Alors, il y a l'adversaire à la main, génial. Le truc, c'est que je vous en avais parlé dernière vidéo, le problème c'est que moi la vidéo d'hier et la vidéo d'aujourd'hui, bah, je vous fais les deux vidéos d'affilée enregistrées, donc j'ai pas pu voir vos retours. Ce que je vous demandais c'est, est-ce que vous voulez que je vous mette uniquement les combats où on va dire ça se passe plus ou moins bien, où bah, je peux mettre en place le deck, je peux le setup, je peux jouer un peu, voire même mettre que les parties où je gagne, comme ça vous pouvez voir ce qu'il faut faire dans le match. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien quand je perds, c'est drôle, c'est marrant, ça change un peu de d'habitude, mais sinon je peux vous mettre que les games où ça se passe plus ou moins bien, pour moi. Recherche professorale et je veux bien vitesse plus, comme ça après avec les Pokéballs je peux choper mon... Ouais, aller me faire voir. Mais vas-y. Vas-y, Francky. Mais au pire, on va sacrifier le mini Draco. Je me tâte à sacrifier le mini Draco. Je pense pas qu'il joue Morgane. Et bah là, on a Frinouille. Je vais mettre un d'énergie dessus. On va sacrifier le mini Draco. Et après, peut-être que je vais pouvoir mettre Belle de Neige et commencer à... à endormir en face. Il y a un monde où ça peut se passer comme ça. Parce que à Flamanoir, je sais pas ce que fait son évolution. J'ai un petit doute. Bah, il y a Arcanin. Alors oui, vous me l'avez dit. Je confonds Articodin et Arcanin. C'est parce que ça commence pareil. C'est pas du tout les mêmes Pokémon. Ça n'a rien à voir. Mais effectivement, je confonds les deux. Ça m'arrive, ok. Ah bah là, j'ai Draco. J'ai bien envie de switcher du coup. Voir, je lui mets un d'énergie sur lui et on sacrifie le mini Draco, c'est pas trop grave en vrai. Ouais, je me dis que c'est pas grave. Ouais, je peux j'en supporter, mais Osef. Osef. Bah, faut juste falloir qu'on rechoppe un mini Draco par la suite parce que bah, si j'en ai pas. Ah ouais, ça fait. J'ai testé le deck avant la vidéo et j'ai jamais eu Frinouille, je sais pas quoi là au premier tour. Ah, je sais pas si. Mon compte est maudit, je pense que mon compte est vraiment maudit. Mais je n'ai pas eu Frinouille du coup. Il s'appelle comment? Frissonil. Ouais, nul à chier. Voilà, je préfère vous le dire, j'aime pas le blaze. Donc j'ai jamais eu Frissonil au premier tour. Donc j'ai jamais pu vraiment jouer avec. Alors là, la question c'est. Non, on va faire ça, hein, vu qu'il me l'a pas tué. Et en vrai, s'il a pas de Morgane, bah, je suis bien, parce qu'il pourra pas me le finir. Poudreuse. Ouais, vas-y, hein. Vas-y, hein. Et donc là, faut juste espérer que bah il se réveille pas. Donc en gros, à chaque tour, il va devoir lancer une pièce pour faire face. Il fait pile, donc oui, il va rester endormi. Mais après... Ah non, quand t'es endormi, tu peux pas... Ah non, c'est quand t'es paralysé que tu peux pas battre en retrait. Quand t'es endormi, je sais pas si tu peux. Je sais pas si tu peux battre en retraite quand t'es endormi. On va le savoir. On va savoir très rapidement s'il peut retourner à l'EHPAD ou pas, ou s'il reste... Ah, il relance une pièce avant de finir son tour? Ah non, il avait fini son tour, d'accord. Ok, ok, non, j'ai rien dit, tranquille. Bah, on va le faire évoluer, bien. Et on va faire ça. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû mettre l'énergie sur Belle de Neige. Comme ça, je pouvais jouer avec. Oui, elle était endormie. Dégage. Dégage, dégage. Ça fait partie des trucs. Je vous avais déjà dit, j'aimerais bien qu'on ait des fonctionnalités dans le jeu. Juste des petits trucs à la con qui soient ajustés pour que les combats soient un peu plus rapides. Et même sur des petits points à la con, genre le fait que le Pokémon soit endormi alors qu'il a 0 PV, bah on s'en fout. On devrait pas avoir l'animation qui est animée. Par contre, Arcanin il m'arrache là. Arcanin il va juste m'arracher. Hein. Je vais saquer de l'énergie parce qu'après on va Dracolos. Hop.
Mais on va peut-être sacrifier la belle de neige qui est sur le... Non, on va... Je me tâtais à jouer Morgan, mais en me disant que peut-être il allait mettre le réplincelle et qu'on pouvait le tuer avant de tuer l'autre, mais en fait, non. Non. Par contre, là, faut que tu fasses pile. Faut que j'ai un minimum de bol dans la vie, dans le jeu, dans tout, en fait. Au bout d'un moment, je... Ah, au bout d'un moment, je suis fatigué. Hein. Au bout d'un moment, c'est bon. Parce que Arcanin, il fait 120. Il pourra me... Ah, j'ai pas de potion, en plus. Ah, c'était un peu risqué, hein, le move de mettre de l'énergie sur sur Dracolo. C'est... Après, le truc, c'est que ça se trouve, l'autre mini-Draco, il est au fond du deck. Et j'ai déjà joué mes deux Pokéballs, je crois. Ouais. Ok, il se réveille. De toute façon, on va le finir. Hein. On va le finir. On va faire ça. On va faire poudreuse. Yes. Et là, au tour d'après, il va jouer Arcanin, il va me tuer, forcément. Alors là, soit je peux jouer Dracolos. En fait, s'il fait pas évoluer son Reptincelle, je joue Dracolos direct. Je pense qu'en fait, dans tous les cas, on va jouer Dracolos direct. Hein. Parce que je peux Morgane et lui faire switcher son Arcanin et son Dracofeu. Ah, il met un autre Pokémon. Après, il met un autre Pokémon, j'ai deux points. C'est-à-dire que si on tape avec Dracolos, qu'on a un peu de bol et que ça tape deux fois sur soit le Magmar, soit le Reptincelle, s'il ne le fait pas évoluer, on a gagné. Mais il faut juste que ça fasse pas deux attaques sur Arcanin et une attaque sur un de chaque derrière. Si c'est ça, on a perdu le combat. On va faire ça. Mais dans le doute, je vais utiliser... J'ai envie d'utiliser Morgane, en fait, dans le doute. Dans le doute. Après, t'as beaucoup de cartes. Hein. Ah, mais je suis con. À mon avis, il avait pas Dracofeu dans sa main. Et bah, c'est gagné. Voilà. Et on a enfin gagné un combat en vidéo. Let's go! Ah bon, après, il avait pas Sulfura, mais en même temps, même avec Sulfura, si t'as pas de bol au jeté de dés, c'est la merde, quoi. C'est la merde, hop. Mais c'est vrai que le deck Arcanin est pas mal, quand même. C'est pas mal, mais je trouve que c'est pas vraiment... c'est pas OP, quoi, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui jouent l'Articoudin. Bon, les mecs qui ont tous les badges, là, allez dans un autre mode de jeu, hein. En fait, le mode des gens qui savent jouer, là. Parce que ouais, le truc, c'est que en fait tout le monde joue dans le mode novice. Pas mal de gens m'avaient dit ouais, faut arrêter avec le mode novice, faut aller dans le mode où les gens savent jouer et tout. Mais le truc, c'est que bah, les gens qui savent jouer, justement, ils vont dans le novice pour farmer de l'XP, en fait. Ils vont dans le novice avec des decks Articodin rapides et tout. Ou alors des decks poison, où t'es quasiment sûr de gagner, peu importe ce qu'il y a en face. Le deck poison, il est un peu lent à jouer. Mais je préfère un Articodin qui va cycler rapidement. Ah, mais non, mais c'est du poison, poison fossile. Je préfère un petit deck qui va tourner rapidement que ça, quoi. Ah, je peux pas le faire évoluer à ce tour-là. Pokéball. Et au tour d'après, on jouera la recherche professorale. Mais je veux bien un truc... On va taper 10, hein. Qui ne qui sert à rien, mais tranquille, on prend quand même. Ah, c'est vraiment chiant le système d'énergie, j'espère qu'ils vont faire un truc rapidement. Après, ceci dit, il reste 13 jours là, avant la sortie du jeu. Bon, peut-être 11 ou 12 ou 10 quand la vidéo sortira, je sais pas quand elle sortira. Elle sort le jeu sort le 30 ou le 31. Je crois que c'est le 30 en France et il y a peut-être d'autres pays qui sortent le 31, je sais pas. Bref, j'espère que le truc d'énergie sera corrigé. En même temps, je m'attends pas à ce que le jeu sorte et que dès que le jeu sorte, on est une mise à jour, un correctif, un patch, un truc ou quoi. Alors je pense Frissonil, là on va le sacrifier. On va le sacrifier parce qu'il est empoisonné. Quoi qu'au pire, en vrai, je pourrais faire ça parce que ça permet de tanker un tour. Je vais finir le tour, je vais pas piocher. Parce que si la carton rouge, ça va pas m'aider.
Parce que s'il va faire recherche professorale et qu'il a une carte rouge, à mon avis, à sa place, je le jouerai. Je réfléchis à comment je suis dans la merde. Je réfléchis. Par contre, prochain tour, il me faut un carton rouge. Il me faut un carton rouge. Ou alors je le pioche avec la recherche professorale. Ah, ça joue, hein. Il a pas de gros tas de morts depuis tout à l'heure. Ok. Mais ouais, comme le jeu il sortira du coup à la fin du mois, je pense pas qu'on aura directement une mise à jour avec un correctif en mode. Ajout de contenu, on va dire. J'ai pas fait ma recherche, je suis con, moi. Je suis l'idiot du village. Je pense pas qu'on aura un correctif direct ou des ajouts de contenu à la mise à jour. Je pense qu'on les aura plus tard. Yes. Pas mal. Je pense qu'on les aura plus tard au bout de peut-être 2 ou 3 semaines de jeu où on aura vraiment des ajouts de contenu. Je pense qu'à la sortie du jeu, on aura un event. Normal, comme tous les jeux qui sortent sur mobile où il y a... des événements de lancement, des trucs pour ouvrir plus de packs, des récompenses à droite et à gauche, peut-être une ou deux cartes promo, je sais pas, on verra. Mais je pense pas qu'on aura vraiment beaucoup d'ajouts de contenu ou de petits changements. Ok, c'est pile. Est-ce que je le ferais pas battre en retraite pour lui enlever le poison par hasard? Vas-y, on va faire ça. On va voir. Si là j'ai un mini Draco. Enfin, j'ai un Draco, pardon. On va plutôt stacker de l'énergie sur lui. Je vais le faire évoluer. Et on va tuer le Pokémon en face. Là. Mais en vrai, j'aurais peut-être dû switcher Belle de Neige. Ouais, en fait, là, j'ai mal joué. J'aurais dû mettre l'énergie haut sur Belle de Neige qui est sur le banc. Switcher les deux. Et ça m'évitait d'en perdre un. Et l'autre, il pouvait tanker. Parce que là, il va me le tuer à ce tour-là. Et au tour d'après, Belle de Neige ne me servira à rien parce que c'est un énergie électrique qui est le prochain. Ouais, je suis très mal joué là. Mais c'est pour ça que je me tâte à mettre que les parties où je gagne. Parce qu'en fait, bah, je pense que parmi la masse de viewers que vous êtes, il y a aussi des gens qui, comme moi, débutent et qui, du coup, bah, je fais des erreurs. Je m'en rends compte. Ou je m'en rends compte pas, mais au pire, vous regardez les commentaires. Et ça vous permet bah, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut éviter également. Et ça vous apprend à jouer. Hein. Vas-y, on va balancer ça. Hein. Ça vous apprend à jouer également, donc... J'ai envie de faire ça. La recherche. De sacrifier ma Pokéball, mais à mon avis, il a pas de carton rouge, sinon il aurait déjà joué. J'ai mis mon énergie ou pas? J'ai mis mon énergie. Je vais balancer la carte aux oubliettes. Et j'ai envie de mordre. Ah, je peux pas Morgane, c'est vrai, je suis abruti. Je suis un idiot fini. On a tous les deux un point. Il va me tuer Belle de Neige dans deux tours, mais je pourrais mettre mon Dracolos. C'est vrai que s'il a Morgane et qu'il switch sur le mini Draco, au pire, je peux mettre un d'énergie et parce qu'il pourra pas me la tuer, à mon avis. Ça, c'est un deck qui tempo, qui met du poison et tout, et qui est chiant, mais c'est pas un deck qui est qui va te tuer un Pokémon par tour. C'est un peu lent, mais ça marche bien. Hop. Ah ouais, j'ai que de l'électrique en plus. Est-ce que j'irais pas lui faire switcher de... J'ai envie d'utiliser une Morgane, mais juste pour l'emmerder en fait. Le problème c'est que... Vas-y, on va faire ça. Juste pour... voilà. Parce qu'au pire, j'ai une autre Morgane dans la main, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je pense qu'il va mettre le tas de morts, il va le faire évoluer. Et me tuer Belle de Neige. Mais moi, au tour d'après, je peux Dracolos. Bah, il même pas, il fait ça. Ok. Je vais finir. Je me tâtais à la faire battre en retraite, Belle de Neige, et à mettre de. Parce que j'ai que de l'énergie électrique là de toute façon, donc elle pourra pas attaquer. Mais je pense qu'on va remettre Dracolos derrière. Ok. Bah, il va me tuer Belle de Neige qui va mourir du poison. Mais un monde où on peut gagner, hein. Vraiment un monde où on peut gagner. Ouais, voilà.
Alors là, le truc, c'est... Je suis un peu emmerdé. Je suis un peu emmerdé, mais... Vas-y, on va envoyer le Draco se faire sacrifier. Parce qu'en fait, là, le truc, c'est qu'il pouvait m'empoisonner Dracolos. Il pouvait m'empoisonner Dracolos. Et me faire du coup bah, 40 de dégâts, il descend à 120 PV, c'était très chiant. Et comme il a qu'un point, bah, je m'en fous en fait. Je m'en fous un peu. Hop, on va faire ça. Faire carton rouge. Parce que dans la main, il doit avoir le dresseur là qui peut te renvoyer dans la main soit un Smogogo, soit un Morve. Je me tâte à le faire évoluer. Mais juste pour tempo un peu. Parce qu'en fait, tempo. Ça peut m'aider moi à mettre de l'énergie sur mon. Quoi qu'en vrai, il va pas me le tuer au tour d'après. Vous savez quoi? Vas-y. Vas-y, vas-y. On va y aller comme ça. Et parce que s'il renvoie Smogo dans la main, qu'il met Tad Morve et qu'il fait évoluer, il peut me tuer le Draco à ce tour-là. Ouais, ça va pas me le tuer. Donc je me tâte à le faire évoluer et. Oh bah, parfait. Parfait, vitesse plus. Vitesse, vitesse plus, retraite. Hop. Je vais le faire évoluer. Le faire. Oui, pardon, je vais le faire évoluer. Et je vais stacker les. Ah, c'est énergie électrique, ça me fait chier ça. Vas-y, on va faire ça. On va faire ça tranquille. Et Draco Métaur, yes. Bon, on n'a pas eu trop de bol à ce match. Mais en vrai, on s'en sort bien quand même. On s'en sort plutôt bien. Après, il peut Morgane. Mais si Morgane, j'envoie Belle de Neige, on sacrifie. Et en vrai, je peux la renvoyer dans ma main s'il me la tue pas. Mais il y a 40 PV, il poison, il dégâts et voilà. Mais j'adore le deck qu'il joue. Hein. C'est un des premiers decks que je vous avais montré. Et c'est un deck que je trouve très fort, qui marche bien avec beaucoup de choses. Oh, il en fout l'art en plus. Bah, ce que j'avais dit, si Morgane, on envoie Belle de Neige, elle meurt, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc j'adore le deck qui joue, c'est très fort. Mais c'est très fort, faut avoir de la chatte et avoir un Smogogo dès le premier tour et tu peux tuer quelqu'un. Tu peux tuer rapidement quelqu'un quand. Ceci dit, on n'a pas forcément gagné parce que. Si on a forcément gagné. On a forcément gagné parce qu'il y a 4 attaques. Ouais, le en attente du retour de l'adversaire, à mon avis, ça a dû quitter l'écran. Hop. Ça a dû quitter l'écran, on va Draco Météor, on n'a pas besoin de jouer une carte quoi. On est déjà à 2 points, on a gagné. GG. Bah, attendez, c'était le combien de match là? C'était le troisième match de la vidéo, non? J'ai un doute. Je crois que c'est le troisième match. Bah je vais vous laisser là-dessus. GG à lui, hop. Mais du coup, vous avez un peu pu voir la gueule du deck, mais c'est vrai que bah, ça se joue beaucoup sur l'endormissement et avoir du coup le bébé de Belle de Neige là au premier tour. Et regardez ça, je suis dégoûté, j'ai toujours un seul Florizarre X et un seul Crisacier. J'en peux vraiment plus, les gars. Je voulais vous faire le deck Florizarre, Crisacier, Papillusion, Erika, là, le deck où tu peux te heal pendant 15 ans. Bah, j'ai que 2 Crisacier depuis le. Je pense que je vais l'acheter avec les points parce que bah, je galère à l'avoir. Donc voilà, j'espère que le deck vous aura plu. J'espère que le deck vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Amusez-vous bien, à la prochaine. Salut, bye bye.